Bonjour, aujourd'hui une émission sur l'état d'esprit. On va parler de ton plus grand adversaire. On va parler de ton plus grand adversaire, mais avant ça, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, de l'état d'esprit de l'entrepreneur, l'état d'esprit de l'investisseur. On parle de vente, de marketing. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'état d'esprit. Ton plus grand adversaire. Donc, s'il te plaît, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Inscris-toi si ce n'est pas le cas encore, si tu ne l'as pas encore fait, dans un de mes cursus offerts. Et puis, tu trouveras dans la description ma présentation et la formation que je mets en avant à la fin de l'émission. Mais tu peux déjà cliquer sur la présentation de la formation. Ton plus grand adversaire, c'est toi. Ton plus grand adversaire, c'est toi. Moi, je ne le savais pas. Quand j'ai commencé, j'avais des croyances limitantes. Ton plus grand adversaire, c'est toi. Je sais pas, moi, ton plus grand adversaire cette fois, je vois que y a quelqu'un qui chiale parce que cette personne a besoin de souffler, de faire une pause, alors qu'elle a traversé, elle a fait la traversée du désert. Au moment où le business arrive à sa porte, elle a le moyen, la possibilité de se faire refaire financièrement, de se rattraper, puisqu'elle est indépendante comme moi. Elle dit non. Le fric est là, j'ai assez pour faire une pause. Et ça me navre, ça m'énerve, ça me fait chier. Ne fais pas ça, toi, ne fais pas ça. C'est ça qui m'énerve. Cette personne a souffert, mais Dieu sait qu'elle a souffert. Elle a fait la traversée du désert, elle n'a pas eu de vente. Les ventes arrivent, au lieu d'en profiter, à redoubler d'efforts, et Dieu seul sait qu'on a de l'argent qui rentre, et quand ces efforts, c'est même pas de l'argent, quand tes efforts commencent à payer, tu dois pas, c'est une diligence, tu dois pas rompre l'inertie. Cette personne-là prend une pause, parce qu'elle a mis dans sa tête qu'elle veut une pause, elle va faire un burn-out. Cette personne-là, et écoute ce que je te dis, si t'es dans ce cas-là, cette personne-là, ben, je sais pas si elle croit en Dieu, elle croit en l'univers, ben, cette personne-là a montré à l'univers, a montré à voir le Dieu, il s'en fout. Je te dis franchement, il s'en fout, mais montre qu'elle n'est pas capable de supporter ce succès puisqu'elle le refuse. Donc elle va retomber dans ses travers et elle va retomber dans une traversée du désert alors qu'elle aurait pu accélérer. Elle a calé au démarrage. Cette personne-là va prendre du fer. Et c'est à cause de quoi? C'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est sa faute. C'est son plus grand adversaire. Le plus grand adversaire des gens, c'est toi. Ton plus grand adversaire, c'est toi. Tu as peur. Comment ça, je demande 97 euros ma séance de coaching? Il y a des gens qui sont incapables de dire non. Pour eux, c'est impensable que les gens puissent payer 97 euros pour passer 1 heure avec eux au téléphone. C'est impensable. C'est impensable. Parce que eux, ils peuvent pas le faire. Mais il n'y a pas de souci. Tu proposes ton service à cette personne et si elle ne veut pas, elle va pas le prendre. Au pire, elle va dire ok, non, merci. Mais si tu te dis bon, cette personne-là, elle peut pas. Je lui propose à 57 euros, elle dit ok, c'est 57 euros et puis tu vas perdre l'occasion de te faire le double à cause de ta peur, de tes croyances limitantes. Donc tu es ton plus grand adversaire. C'est pas les autres, c'est pas les clients qui sont cons, c'est pas la concurrence, la compétition. Pourquoi ta formation de Super Pack Imo, l'équivalent de mon Super Pack Imo, est à 197 euros? Tu t'es enfermé 6 mois pour le sortir, cette formation. Pourquoi tu la vends à 197 euros? Pourquoi tu proposes 23 modules à 497 euros? Déjà, pourquoi tu as fait 23 modules? Parce que tu veux mettre plein la vue. Tu es ton plus grand adversaire. Pourquoi tu as peur de vendre? Pourquoi tu as doute? Et tu vois, le doute, ça te fait caler au démarrage. Et tu vois, cette personne que je t'ai citée en introduction, cette personne veut prendre une pause, elle veut partir 2 semaines en souffler, tout ça. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, pendant ces 2 semaines, les gens vont partir ailleurs, parce que voilà, et puis, quand elle va rentrer, elle ne pourra pas partir sur l'inertie. Elle va pas souffrir, excuse-moi, comme elle avait souffert au début.
mais elle n'aura pas la même, la même inertie. Donc elle va faire une mini croisière, traversée du désert. La différence entre le mindset, la différence entre le mental est impressionnante. L'état d'esprit est impressionnant. Je te donne, je le vois tous les jours entre deux collaborateurs. Il y en a un qui fait deux fois plus de chiffre d'affaires que l'autre, alors que l'autre est arrivé avant. Pourquoi? Son mindset est pourri. Et ça m'énerve. Donc, je suis désolé, mais ton pire ennemi, si tu ne le sais pas encore, c'est toi. C'est pas les autres. C'est pas les autres. Donc, que tu veuilles investir, que tu veuilles faire un business, tu as des croyances limitantes. Si tu as peur, tu vas demander conseil. Et tu vas demander conseil à quelle personne? Des gens qui n'y connaissent rien et qui vont te faire peur, qui vont te faire ralentir. Et tu vas caler au démarrage. Tu vas pas avancer, tu vas pas passer à l'action, tu vas rester dans ton état. Et c'est ça que je veux pas pour toi. Donc, s'il te plaît, fais un travail sur toi. Apprends à travailler ton état d'esprit. Tu vois, j'aurais pu me contenter, et je sais que ça marcherait, de te balancer que des techniques marketing, des derniers hacks à la mode, comment scroll. Tu sais, pour la petite histoire, en 2009, quand j'ai lancé Peace of Team, c'était location vacances Martinique, j'avais programmé un robot qui c'était un robot qui surfait sur Internet et qui récupérait tous les emails de propriétaires de location vacances pour leur proposer mon offre. J'ai appelé ça ce robot Toby. Toby, parce que je regardais Dobby. Je crois que je l'avais appelé Dobby parce que je regardais. Enfin, je lisais à l'époque. Oh, le sorcier là qui. Harry Potter. Et l'elfe de maison Dobby ou Toby. Mais j'ai appelé mon petit code, mon robot qui parcourait le net, Dobby. Et ce robot-là faisait le travail à ma place. Donc, ce qu'on appelait le. Enfin, le terme anglais, je le visualise en termes. Je veux pas. Crackle, je sais même pas. En fait, c'est un robot qui parse, enfin, qui analyse les différentes pages Internet et qui met ça dans une base de données pour que je puisse recontacter les personnes. En fait, ce que je vais appeler le code emailing, quoi. J'aurais pu balancer ces trucs comme ça. J'aurais pu faire des hacks pour faire ça. J'aurais pu te donner des techniques pour récupérer des trucs un peu tendancieux, comme je vois sur Internet. Mais ça fonctionne. Ça peut fonctionner pour te permettre de faire une vente, deux ventes, trois ventes. Mais c'est pour vendre des produits à 27 euros parce que tu as un problème mental dans ton esprit. Ça sert à rien. Et la dernière date, j'ai refait une page de vente pour quelqu'un qui m'a conseillé, qui m'a pris en coaching. Cette personne-là m'a pris en coaching. Elle a pris le prix fort. Elle a payé le prix fort pour le coaching. Et pourquoi? Pour une page de vente qui elle vend le produit 49 euros en taxes. Mais c'est n'importe quoi. Parce qu'elle a des croyances limitantes. Et là, j'espère qu'elle va me refaire appel à moi pour qu'on travaille sur l'état d'esprit. Ou elle prend, et comme toi, tu vas le faire, tu vas cliquer dans la description et cliquer sur la présentation de mon club privé. Et mon club privé, on travaille non seulement le marketing, on travaille la vente, on travaille la forme physique, on travaille l'énergie, on travaille aussi l'état d'esprit, le développement personnel, le mindset de l'entrepreneur gagnant. Parce que oui, j'ai des coups bas, j'ai des combats à mener tous les jours quand tu as des collaborateurs qui te pourrissent la vie, qui veulent partir en congé, qui veulent. Enfin, non, ça c'est. Bon, c'est pas mes collaborateurs, c'est ceux de mon épouse. Mais il y a des soucis, il y a des dégâts des eaux. Enfin, mais ce n'est pas le mindset de l'entrepreneur. C'est pour ça que quand j'entends j'ai besoin d'une pause, qu'est-ce que tu as fait, mamie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu avais subi la moitié des tensions que j'ai subies, eh ben tu serais en dépression. Parce que toi, tu as un mauvais état d'esprit. Moi, je travaille mon état d'esprit. Bref. Donc, fais pas comme cette personne et clique sur le lien qui se situe dans la description pour rejoindre mon club privé. T'inquiète, tu vas avoir pour ton investissement. Tu vas en avoir pour ton investissement puisque tu auras quatre formations par mois, une formation par semaine. Le pack de formation vaut facilement plus de 300 euros, alors que tu vas payer cet abonnement une misère par rapport à la valeur que ça va t'offrir. Donc voilà. Allez, je vais arrêter là.
Et puis je te dis à la prochaine. Parce que ça me dépite, ça me déprime de voir des gens qui ont le succès à portée de main, qui palpent. Mais au lieu de prendre le succès et puis le prendre à plein, à grande brassée, ils disent non, c'est bon. Tu vois, tu connais Fort Boyard. Tu connais Fort Boyard. Tu connais Fort Boyard? Je suis sûr que tu connais Fort Boyard. Excuse-moi, je répète parce que je suis en train de visualiser l'image dans ma tête. Tu t'es fait chier dans toutes les épreuves. Tu as pris les clés. Tu t'es fait chier toutes les épreuves pour avoir les indices. Tu as retrouvé l'indice. Tu as vu Felindra tourner la tête de tigre. Tu as entendu les boyards tomber. Donc tu as fait une sacrée traversée des déserts. C'est comme si tu allais dans la salle du trésor et puis tu prenais une poignée de piécettes, de boyards, et puis tu disais, bon, ok, ben maintenant je fais une pause, je vais arrêter, je me contente de ça, et puis les boyards, ben, je n'aurai d'autres si ça arrive quand je suis là, quand j'ai fini ma pause, si je peux encore en prendre d'autres, eh ben je prends. Mais si toi tu regardes cette émission et tu vois quelqu'un faire ça, tu dis, mais cette personne est stupide, totalement débile. Eh ben, c'est ça que je ressens. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu, je suis un peu dégoûté, parce que je sais, quand j'accompagne quelqu'un, c'est pas pour l'argent. Parce que après tout, cette personne m'a payé, donc je m'en fous. Mais moi, ma grande satisfaction, c'est quand je vois que le succès arrive et que tu me dis ah, merci. Alors cette personne m'a dit merci, merci, oui, mais pourquoi t'arrêtes? Bref. Donc voilà. Je te dis pas plus pour aujourd'hui. Allez, je te laisse et puis on se retrouve rendez-vous pour une prochaine émission. Allez, bye bye.